Oh là là, non mais les gars, je rentre du sport en catastrophe. Je crois qu'il y a un gros problème. Mes caméras de surveillance se sont détectées. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de très mal dans ma maison. Oh, et non mais puis, les gars. Oh non, regardez. Je crois que je me suis fait cambrioler. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien dans ma maison. C'est quoi ça? Alors ça voudrait dire que des voleurs se seraient introduits dans ma maison. Et pour ce qu'il en est de Robtech, j'espère qu'il lui est rien arrivé de mal. Pff, oh là là, Robtech, eh oh. Oh non, non mais les gars, je crois que la seule chose qui pourrait répondre à toutes nos questions, ce serait peut-être de checker toutes les caméras de surveillance de la maison. Et les gars, ça me fait super peur. Et vous savez quoi, je vais me mettre en sécurité dans ma chambre et je vais checker toutes les caméras de surveillance. Allez, c'est parti les gars, je me mets dans ma chambre en sécurité. Ok, donc vous savez quoi, je vais directement checker les caméras de surveillance. Ok, donc là on voit clairement Robtech qui est assis tranquillement dans le canapé. Bah écoutez, là on le voit clairement, il est calé dans le canapé tranquille. Attendez les gars, je crois qu'il y a quelque chose qui l'a interpellé là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais les gars, je me disais très... Regardez, il se cache derrière le canapé. Non les gars, je crains le pire. Je crois que là il comprend clairement pas ce qui se passe là. Attendez, bon, vous savez quoi, de toute façon ça sera les caméras de surveillance qui vont... Ah ouais, les gars, vous voyez ou pas? Il a l'air complètement terrifié. Il y a un gros souci, là. Et attendez, je vais switch les caméras de surveillance au niveau de l'entrée. Mais je crois clairement que c'est des cambrioleurs, c'est des personnes très mal intentionnées ça. Oh non, vous avez vu les gars, ils sont deux. C'est deux braqueurs qui viennent chez moi comme ça. Eh ouais, je me doutais bien les gars. Ah, ça veut dire que c'est eux qui ont dû me voler ma télé et tous mes appareils électroniques et tout. Oh non, et regardez là, Robtech, il essaye de se cacher derrière là, mais... Faut qu'il se cache les gars, j'ai clairement peur pour lui. Regardez les gars, ils ont un mode d'action. Ils essayent vraiment. Oh non, je crois que Robtech s'est fait cramer. Oh non les gars, ça sent pas bon, regardez. Oh là 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 là, ça se fait pas, ça se fait clairement pas ce qu'ils sont en train de lui faire. Regardez, clairement Robtech qui est en train de se faire agresser là par ces genres de braqueurs ou je ne sais quoi là. Oh, et puis c'est moi, ils sont clairement en train de ligoter, là. Ah là 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 là, il a dû passer un sale moment, un sale quart d'heure avec eux. Je crains que ça soit une prise d'otage, hein. J'espère que je me trompe. Et puis attendez, vous avez vu, ils sont clairement en train de le ligoter. J'espère qu'il va réussir à s'enfuir, parce que là, la situation est vraiment critique. Oh non, ouais, regardez, les gars, il peut plus bouger. Les malfaiteurs montent à l'étage. Il faudrait que Robtech essaye de se délivrer, les gars. J'espère qu'il va réussir en tout. Oh, les gars, il a réussi à se relever. Ok, ça y est, let's go. Allez, mais qu'est-ce qui t'attend? Dépêche-toi, va-t'en d'ici. Oh, Robtech a réussi à s'enfuir. Yes, let's go. Oh, les malfaiteurs sont redescendus. Oh, il découvre que Robtech a réussi à s'enfuir. Oh là 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 là, les gars. Et non mais, je crois que le cambriolage commence. Et franchement, Robtech, heureusement qu'il s'est enfui, hein. Parce que moi, je vous le dis, ça aurait pu partir très loin avec ces genres de malfaiteurs, braqueurs, qui sont très mal intentionnés. Non mais les gars, c'est moi où ils essayent de voler ma télé. Mais oui. Non mais là, ils sont clairement pris en flagrant délit. Non mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, les gars, c'est une dinguerie. Les gars, c'est clairement une dinguerie. Et eux, ils ont pas froid aux yeux, moi je vous le dis. Eh, vous avez vu, ils ont déposé la télé. Je crois qu'ils cherchent à voler autre chose. C'est là. Oh non, les gars, regardez, ils sont clairement en train de fouiller. Oh non, mais les gars, ça se fait pas. Ils ont clairement volé mon trophée de football que j'ai gagné et tout. Non, les gars, eux là, je vais les retrouver. Vous allez voir, je vais récupérer toutes mes affaires là. Ouais, il y avait même mon PC, dans le tiroir là et tout. Les gars, je suis clairement dépité là. Mais regardez-moi cela là. Bon bah là, une chose est sûre, c'est que je peux clairement dire au revoir à toutes mes affaires, à ma télé, à mon trophée. Oh là là. Et ouais, mais les gars, ceux-là, là, ces malfaiteurs, là, ils sont très bien organisés, hein. Non, mais ça y est, de toute façon, c'est peine perdue, regardez, ils m'ont tout volé. Oh là là, les gars, j'ai le seum, là, j'ai clairement le seum. À mon avis, ça doit être un groupe qui est très bien organisé pour pouvoir faire tout cela, quoi, hein.
Oh là là, les gars, ils ont volé la sacoche de Robtech. Ah, ça y est, c'est peine perdue, c'est mort, c'est fichu. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est de Robtech, les gars? Vous savez quoi? Je vais essayer d'aller jeter un œil au niveau du salon. Allez, vite. Oh, les gars, j'espère qu'il lui est rien arrivé de mal, hein. Oh là là, d'après tout ce que j'ai vu sur les caméras de surveillance, ça s'annonce mais vraiment pas très bon, là, hein. Y'a quelqu'un par ici? Eh oh! Eh! Oh! Quoi? Smoky! Viens! Attends! Mais reste pas là dans le salon comme ça, t'es fou, c'est dangereux, y'a des voleurs! Mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé là, mec? Mais c'est chose qui s'est passé là! Y'a des voleurs qui se sont introduits dans la maison! Et ils m'ont attaqué! Mais là, je crois qu'ils sont revenus! Ils sont revenus là! En passant, t'as pas vu quelques des voleurs quelque part dans la maison? Parce qu'ils sont revenus, mec! Mais ils veulent ma peau! J'ai obligé de me cacher! Ferra, faut se cacher, mec! Pas rester là, je te jure, t'es fou, toi! Tu cries comme ça dans toute la maison! Mec, c'est chaud! Ah, regarde, là, il y a un voleur, regarde. Regarde, il y a un voleur. Mec, c'est pas le même. C'est le même que sur la caméra, je crois. Mais oui. Mec, c'est la même organisation. C'est la même organisation de voleurs. Chut, j'ai trop pris. Oui, chut. Regarde. Oui, c'est chaud là, ce qui se passe. Fais attention, j'ai l'air d'être armé. Hein. Oui. Mec, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je sais pas, mec. Non, mais c'est grave. Là, c'est chaud, mec. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Je sais pas, mec. Regarde. Oh. Okay, attends, je crois qu'il se dirige à l'étage. Il monte dans l'étage. Ouais. Il monte dans les chambres, ça veut dire faut le suivre. Vas-y. Faut le suivre. Fais attention, là. Discrètement. Attends, mais faut l'empêcher. Il cherche à nous voler sûrement des caméras pour nos vidéos. Il peut aussi voler de nos ordinateurs, nos écrans. Non, mec, c'est pas sérieux ça. Non, c'est chaud. Comment on va faire pour pouvoir continuer à faire nos vidéos si on a plus de caméras, plus d'ordinateurs? Il est pas trop fort. Il est parti dans ta chambre. Si. Mec, je te jure. Oh non, mais c'est pas possible. Si, regarde. Attends. Mec, il est en train de voler mon écran. Oh, il est sérieux. Oui, il est en train de voler ton ordinateur. Mais il est sérieux ou quoi celui-là? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Empêche-le, non. Non, j'ai peur, on se cache. Dans la chambre, vite. Vas-y. Regarde. Non, il nous a vus. Je crois qu'il nous a vus, les gars. Oh non. C'est chaud. Mec, regardez. Mais j'ai pas clairement voulu mon écran. Je sais pas quoi faire en fait, Robtech. Il faut appeler la police. En vrai, ça sert à rien d'appeler la police. Le temps qu'on les appelle, le voleur sera déjà parti. Alors c'est fou. Tu dois l'empêcher. Allez. Vite. Je vais. Attends, il est là, mec. Non, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il cherche à voler d'autres choses dans notre maison, mec. Non, mec, c'est sérieux. Il veut plumer ou quoi? Attends, j'ai mis des robes d'écran. On va tenter un move. Je vais me cacher derrière le canapé. Ouais. Derrière le canapé, il y a une batte de baseball. Je la prends et je vais essayer de l'assommer. Ouais, bien sûr que ça va marcher, ça. Ouais. Attends, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Il est vraiment malade. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est une blague. J'ai la batte dans les mains. C'est chaud. Oh, il a failli nous voir. Chut, tais-toi. Faut vraiment pas parler, il est juste à côté, mec. Oh non. Faut l'empêcher, c'est une spooky, vas-y, empêche-le. J'ai peur, mec, je commence à avoir peur. J'ai la trouille. T'es obligé, vas-y. Comment je fais? Je lui mets un coup par l'air. Oui, par surprise. Dans la tête, pleine tête. Ok, c'est parti, allez. Vas-y. C'est maintenant. Vas-y. Oh. J'ai réussi. Oh, mec, j'ai réussi. Oh, ouais. Hé. Je l'ai complètement assommé. C'est parfait. Bien joué, Smoky. Bien marché, gros. Fouille ses poches, il nous a peut-être volé plein de bijoux et plein de trucs importants. Ouais, récupère tout. Vas-y. Il nous a volé. Il a des trucs dans ses poches, je suis sûr. T'as trouvé un truc ou pas? Ouais, regarde. C'est quoi? C'est pas ton téléphone, ça? Ah oui, c'est mon téléphone, c'est mon iPhone. Ah voilà, il t'avait volé ton téléphone. Oui. Attends, j'ai fouillé, il y a peut-être des trucs. Attends, mec, attends. Là, j'ai
vais checker ses autres poches. Ouais, vas-y, regarde, mec, quoi. Il m'avait volé mes écouteurs quand j'allais au sport. Sérieux? Attends, 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 j'ai vu plein d'autres choses aussi dans sa poche. Vas-y, essayez de voler ta voiture, Robtech. Ah, c'est les clés de voiture. Regarde, ça c'est les clés de voiture. Oui, c'est les clés de la voiture. Oh, oh, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Attends, attends, je vais essayer de le choper. Vite, vite, vite. Eh, reviens par ici. Reviens, reviens. Attrape-le. Sim Spooky, reviens, c'est dangereux. Reviens. Il s'est échappé, je voulais la voir. Il s'est échappé. Bon, ça va. Ferme la porte, et ferme la clé. Attends. Nous devons subir plus aucune infraction, ok? Ouais, c'est vraiment chaud ce qui s'est passé. Oh là là. C'est mieux comme ça, hein. Ah ouais. C'est mieux comme ça, c'est mieux qu'il dégage, hein. Parce que là, c'était chaud, hein. Mec, c'était clairement chaud, on a sauvé ta voiture. Ah, c'était chaud quand même, on a sauvé ce qu'on a pu, hein. Ouais, c'est vrai. J'espère que ça va plus se reproduire, ce genre de choses, hein. C'est vrai, hein. Oh là. C'est pas des bruits de cochon, ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce problème? Oh non, j'ai peur. Me dis pas qu'on a encore d'autres problèmes. J'ai peur que ça soit le retour de John Poore, mec. Pourquoi tu dis ça? Non mais écoute. Non. Ça vient de ça? Non, y'a un gros souci là. Quoi? J'ai peur que ça soit le retour de John Poore, la Robtech. Et tu sais quoi, la Robtech? Je pense qu'on est confronté à un autre problème. Je pense qu'il faudrait checker les caméras de surveillance tout de suite là. Vite. Allez, sans plus attendre, on va checker les caméras de surveillance. Ah ouais, d'accord, en fait, il y a eu une détection au niveau de l'extérieur de la maison. Ok, bon, vous savez quoi, on se met caméra extérieure et on va checker tout ça. Oh, non mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est Robtech là qui est en train de se faire courir après? Wow, Robtech est en train de se faire poursuivre par ce John Poore. Cours, dépêche-toi. Oh, vite, dépêche-toi. Oh là là, c'est vraiment chaud ce qui se passe. Faut vraiment qu'il l'empêche de rentrer dans la maison, mais vite, empêche-le. Aïe, c'est vraiment compliqué. Ah bah non, ça y est, ils sont rentrés dans la maison. Aïe. Bon, on va slide de caméra, les gars. Oh purée, les gars, John Poore s'est carrément introduit dans notre maison. Regardez, vous voyez bien là. Ah là là, c'est vraiment compliqué. Et Robtech, là, faudrait qu'il se défende, je sais pas. Il faudrait qu'il fasse quelque chose là. Il peut pas se laisser faire comme ça. Allez, ouais, vas-y, va-t'en. Let's go, et là franchement... Et puis alors là les gars, maintenant tout s'explique, hein. Je comprends mieux pourquoi il y avait un boucan total la nuit dernière. Et bah ouais, t'étais le John Poore et Robtech en fait qui t'étaient en train de se battre. Et ouais, la Robtech a été confrontée face au John Poore là les gars. Et puis ouais, vous avez bien vu aux caméras de surveillance, hein. Bon allez, on va slide les caméras au niveau du salon, c'est parti. Les gars, le truc que je comprends pas, c'est que comment Robtech se faisait poursuivre par ce John Poore, les gars. Je comprends pas, je sais vraiment pas ce qui a pu se passer les gars, c'est vraiment un truc de ouf. Là, attendez, mais regardez, ils font que de se courir après. Non, mais c'est une dinguerie là. Ouais, ok, vas-y, Robtech. Faudrait qu'ils se défendent, faudrait qu'ils fassent quelque chose, quoi. Hein. Wow, ah ouais, bien joué là. Oh là là, les gars, vous avez vu, il lui a mis un genre de coup de pied là. Il est tombé net par terre, hein. Bien joué ça. Oh non, mais les gars, Robtech a dû passer une sale nuit, hein. Franchement, je sais pas comment ça va se poursuivre. Hein. Et on parle quand même de John Poore, hein, l'un des plus grands tueurs en série, les gars. C'est vraiment un truc de malade, les gars. Bon, j'espère que Robtech, les gars, là, il va tenir le choc. Bon, voyons voir de toute façon, hein. Ouais, les gars, c'est trop une dinguerie. Non, mais vous voyez, il a carrément un couteau dans la main. John Poore a un couteau. Je vous le dis que si Robtech se prend un mauvais coup, ça va vraiment mal se passer, hein. Bah Robtech, faut que Robtech en profite là pour lui mettre des coups, pour qu'il essaye de s'en sortir, quoi. Ouais, vas-y, continue. Encore. Voilà, let's go. Bien joué ça, Robtech, hein. Et ouais, faut qu'il se cache. Faudrait qu'il aille se cacher au plus vite là. Et oui. Ouais, cache-toi dans les toilettes. Comme ça sera mieux. Oh là là, les gars, Robtech, il a eu chaud. Il a eu vraiment chaud pour le coup. Vous avez vu ou quoi? Franchement, on peut l'applaudir, hein. Il a vraiment beaucoup de courage, hein, Robtech, hein. Oh non, les gars, regardez, ce John Poore est inarrêtable. Il vient de se relever. Non, mais c'est quoi ça? Non, les gars. Oh là 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 là, j'espère qu'il va pas le retrouver, j'espère qu'il va... Franchement, la situation, elle est vraiment compliquée là pour le coup, hein, je vous le dis. Non mais vous voyez bien là ou quoi là? Allez. Oh non, non. Non, les gars, il s'est fait cramer directement par le John Poore. Allez, tiens bon. Aïe, c'est compliqué là, je vous jure, c'est chaud. Là, ça devient très chaud là, hein.
Aïe, 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 allez, je sais pas moi, tente quelque chose, essaye de t'enfuir de la maison carrément, quoi. Oh, il y a retournement de situation, les gars, vous avez vu ou pas? Ouais, vas-y, un deuxième coup de poing, un troisième coup de poing. Ouais, oh là là. Il fait terriblement peur avec sa tête de cochon, les gars. Moi, je vous le dis, hein, ça me fait trop flipper, hein. Hey, vous avez vu la Robtech? Il a tapé une très 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 belle esquive, là. Oh là là, il est trop fort, hein. Bien joué, hein. Bon, allez, on va slide de caméra, les gars. Je crois qu'ils sont retournés au niveau du salon. Et les gars, je vous le dis, moi, la question que je me pose, c'est que encore combien de temps la Robtech va tenir face à ce jumpboard? Et puis, bien évidemment, hein, je compte sur vous pour soutenir Robtech, hein, un maximum de pouces bleus, hein. Ok, les gars? Eh ben là, Robtech, je crois qu'il a eu de la chance. Il a réussi à se trouver une petite cachette en dessous de la table. Et d'ailleurs, faut qu'il reste caché, faut qu'il fasse aucun bruit, les gars. Hein, et Robtech, il a eu de la chance, il a réussi à trouver une petite cachette. Ça lui laissera le temps de se reposer un peu, quoi. Allez, 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 j'espère qu'il va pas se faire attraper bêtement, en tout cas, hein. Mais continue à te cacher. Ne fais aucun bruit, ne fais vraiment aucun bruit, là. Oh non, il s'approche. Ouh là là, ça commence à partir en bizarre là les gars, ça commence à être très très chelou, hein. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, les gars, il s'est fait cramer. Non, mais non. Oh là là, les gars, c'est compliqué là, regardez. Là, il a l'air vraiment mal en point, vous le voyez, hein, Robtech là. Il essaye de s'enfuir par la porte, on dirait, mais non, les gars, mais non, c'est impossible, les gars, il en peut plus, là. Non, mais là, les gars, ça sent vraiment pas bon, là, pour Robtech. Non, mais regardez, oh non, il s'est pris un sale coup. Aïe, non, il est tombé par terre. Aïe, c'est compliqué, oh non, ça y est, je crois que c'est fini pour Robtech, vous avez vu? Je crois qu'il commence à être KO, là. Oh non, il est en train de l'enchaîner. Oh non, les gars. C'est quoi ce délire? Eh ben ouais, c'est toujours facile, hein, quand on s'en prend au plus faible, hein. Ben ouais, hein. Oh là là, mais non, ça se fait pas, ça se fait vraiment pas, hein. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois que... Non, il veut le ligoter, les gars, il veut le ligoter. Oh là là, j'ai l'impression que Robtech est en train de se faire kidnapper, les gars. Vous voyez bien, là? Mais oui, les gars, c'est trop une dinguerie, là. Ah bah ouais, regardez, il est clairement en train de le ligoter. Et puis, de toute façon, il aurait pas pu résister plus longtemps, hein. Bah oui, hein. Il s'en prend plus faible que lui, les gars. Bah oui, oh là là, ça se fait pas. Les gars, ça se fait vraiment pas, là, ce qu'il a fait, hein. Non, vous avez bien vu, les gars, il se fait carrément traîner par terre et tout. Oh là là, c'est compliqué, les gars, c'est vraiment compliqué. Non, qu'est-ce qui va lui arriver, les gars? Vous pensez qu'il va l'emmener où, là, comme ça? Eh mais ouais, regardez, il est carrément en train d'ouvrir les portes. Les gars, je sais pas où il va l'emmener, mais là, je crains que Robtech est clairement en train de se faire kidnapper par ce jumpboard. Oh non, vous avez vu, les gars, il est en train de le traîner jusqu'à l'extérieur, jusqu'à mon jardin, les gars. Non, les gars, c'est trop une dinguerie. J'ai trop peur, les gars. Oh non, mais les gars, regardez, il se fait traîner. Il est en train de se faire traîner, je sais pas. Je sais vraiment pas où ce jumpboard est en train d'emmener Robtech, là. Non. À mon avis, Robtech vient de se faire kidnapper. J'en suis sûr, les gars, c'est sûr et certain. Mais les gars, là, la question, c'est que... Qu'est-ce que je peux faire face à cette situation? Je peux pas rester là sans rien faire, quoi. Il faudrait que je fasse quelque chose. Ok, vas-y, 1, 2, 3. Wesh. Oh, wesh. Oh, Robtech, on fait quoi, là? Oh, là. Oui. Attends, attends. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, la famille, aujourd'hui, j'ai clairement décidé d'agir. Et ouais, c'est plus possible. On peut plus laisser faire. Vous le savez, ces derniers temps, on a été beaucoup confrontés à cette version diabolique de Peppa Pig. Et elle s'est même introduite dans la maison, les gars. Oui. D'ailleurs, j'ai quand même une très très grosse envie de savoir qui est-ce qui se cache derrière ce masque de cochon aussi effrayant, les gars. En tout cas, pour m'aider durant cette vidéo, faut savoir que je suis pas tout seul. Et ouais, j'ai fait appel à un très très bon ami qui est ici présent. Salut, les gars. Et Robtech, là, vraiment, on vise de démasquer ce personnage. T'aurais pas d'ailleurs des caméras de surveillance? Oui, exact. Parce que je pense qu'à 3h du matin, l'heure où la créature se met en activité, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir les utiliser. Eh, hey, ça y est, les gars, regardez, on est à l'heure, hein. Et oui, il est tout juste 3h du matin. Et là, dès maintenant, on se retrouve au niveau du PC de sécurité où toutes les caméras de sécurité de la maison sont reliées et on va pouvoir switch différentes caméras. Regardez, les gars, donc là, nous avons la première caméra, donc là tu vois c'est l'entrée de la maison. Okay. Ok, donc là rien à signaler, hein. On va switcher la caméra. Attends, laisse-moi, voilà, ok. Et là qu'est-ce que... Oh, attends,
Il y a un truc bizarre là, au milieu. C'est quoi? Attends, il y a une créature en mouvement là. Mais je crois que c'est le cochon. Regarde, il a une tête de cochon. On fait quoi, Robtek? Attends, je vais switch sur la caméra. Voilà, on le voit. Regardez, on le voit carrément devant la maison. Mais il est là, il est déjà là. Robtek, on fait quoi? Attendez les gars, c'est la créature Peppa Pig.exe. Ouais. Attends, regarde. Attends, on va switch sur la caméra de l'intérieur. Et je crois que là... regarde la cloche. Oui. Eh ouais, c'est pour ça. La porte elle bouge. Regarde là. La cloche, je sais pas si vous voyez bien les gars, mais on a très très bien vu la cloche bouger, ce qui veut très bien dire qu'il essaye encore une fois de s'introduire dans la maison, t'es bien d'accord? Ouais, je suis d'accord. Oh là, et là c'est plus possible. Bon ok, faut vraiment trouver une solution pour pouvoir le démasquer, mais attends, mais quelle solution on peut utiliser? Robtek, tu serais pas le spécialiste des poupées vaudou? Oui, bien évidemment les gars, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a déjà reproduit pas mal de fois sur la chaîne YouTube, et en tout cas ouais, ça nous permettra clairement de prendre le dessus sur cette créature vraiment vraiment dangereuse et on pourrait par la suite le démasquer. Et là franchement je sais pas comment est-ce que t'as eu cette idée là, mais check ça hein. Ouais, check hein. Allez, et en tout cas dis-toi qu'il va falloir tout préparer là, est-ce que t'es chaud là? Ok vas-y, je suis super chaud. Bon ça y est, tout est en place les gars, et tu sais quoi, là ce qu'on va faire c'est qu'on va confectionner cette fameuse poupée vaudou. Là déjà comme vous pouvez très très bien le voir, on va partir de la base de la peluche Peppa Pig, comme ça ben on est dans le thème hein, t'es bien d'accord? Ouais bien sûr. Je me suis également procuré d'un petit peu de riz là. Ah mais ça sert à quoi le riz là? Bah ça va très clairement servir à rembourrer la peluche, tu vois ce que je veux dire? Donc on va en mettre à l'intérieur pour que ce soit bien plus consistant, et par la suite l'étape la plus compliquée on va dire, ça sera de récupérer de l'ADN afin de la déposer sur la poupée vaudou et qu'elle soit bel et bien fonctionnelle. Eh mais t'es vraiment un expert Robtek. Eh bien oui, on peut le dire, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne YouTube. Bon tu sais quoi, je vais te laisser confectionner tout ça. Ok vas-y, y'a pas de soucis, je le fais tranquillement. Donc là Robtek, explique moi parce que moi je sais pas trop comment faire. Donc là c'est très très simple, tu vas devoir donc mettre du riz à l'intérieur de la peluche. Ok d'accord, délicatement. Vas-y faut quand même en mettre beaucoup hein. Vas-y. Là c'est bon, encore. Ok. C'est bon, encore. Là je pense qu'on est pas mal. Ok hein. Là on est pas mal. Ouais. Et après Robtek, qu'est-ce que je fais avec la poupée? Et bien maintenant il faut refermer le tout et le tour sera joué. Ok, tu penses que ça va marcher du coup? Oui. Si je fais comme ça? Ouais, c'est parfait. Ok. Attends Robtek, tu m'avais pas dit qu'il y avait une deuxième étape, ça va être de relier la poupée avec son ADN. Comment je vais pouvoir faire ça? Robtek, t'as une inspiration? Là pour le coup je sais pas vraiment. En tout cas une chose est sûre, c'est que c'est clairement une étape à ne pas négliger. Ah faut se mettre à réfléchir. J'ai peut-être une idée Robtek. Ah ouais. Tu sais dans la première vidéo sur les caméras, il avait pas touché la porte. C'est vrai qu'il a clenché la porte d'entrée. Ouais. À ce moment là vu qu'il aurait pu déposer ses empreintes, ça pourrait être un élément pour pouvoir récupérer son ADN. Bon ça y est, dès maintenant on se retrouve en face de la porte d'entrée. Et là ça va être le moment le plus technique de cette vidéo, parce que ben là nous allons passer la cloche à la lumière bleue pour voir si nous avons des traces d'ADN. Tu sais quoi, je vais te demander d'aller me chercher la lumière bleue. Je vais te la chercher, en plus elle est juste là, tu sais quoi, je vais la récupérer. Ouais. Ok, regarde, on dirait un sabre laser. Ouais. C'est incroyable. Et là ça nous permettra de détecter ces traces d'ADN. Ok, c'est parfait. Je savais qu'il fallait que je sois accompagné de toi encore ce soir. Ouais, bien sûr. Tu sais quoi, vas-y, on va checker tout ça au niveau de la porte d'entrée. Viens. T'es prêt, Robtek? Allez, vas-y. Alors, pour qu'on puisse bien observer certaines traces d'ADN, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière de la caméra qui nous éclaire. Donc voilà, là tout de suite, c'est beaucoup plus sombre, mais ce sera bien plus efficace. Ok, c'est parti. Regarde-moi ça. Tu vois ces grosses traces d'ADN? Ouais. Regardez, sur la clenche, nous avons pas mal de traces en surbrillance. Bon, ça y est, j'ai pris le soin de rallumer la caméra parce que on voit plus clair, les gars. En tout cas, vous l'avez très très bien vu, nous avons de nombreuses traces d'ADN. C'est donc un pari réussi, t'es bien d'accord? Ouais, c'est réussi. Par contre, là, il va nous falloir un compton de tige pour pouvoir récupérer toutes ces traces d'ADN. Eh bien, figure-toi que j'ai déjà tout prévu. Tu sais quoi, je vais te laisser récupérer. Vas-y, c'est parti. L'ADN. Comment ça se fait que t'as des cotons de tige dans la poche, Robtek? Eh bah, tu sais quoi, j'avais déjà tout prévu en fait. Ouais. Ok, t'es vraiment un expert. Bon, regarde ça tout de suite. Vas-y. On va récupérer l'ADN, regarde. Ok, là je prends l'ADN un peu comme ça. Ok, et là normalement ça devrait être suffisant. T'en penses quoi? Là je pense qu'on est très très bien. Ok. Hein.
Et du coup, tu n'as qu'à déposer cela sur la peluche. Tu veux que je le fasse tout de suite? Bah ouais, ouais, qu'est-ce que t'attends? Bon, c'est parti, je le dépose là comme ça. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Maison, voilà, bon. C'est bon? Ouais, c'est très bien. Ok, je pense que là, on est bien. Franchement, t'apprends très très vite, et t'es déjà un très très bon élève quand même, hein. Ouais, mais super. Et tu sais quoi, dès maintenant, la poupée vaudou est fonctionnelle, l'ADN est relié, ça serait quand même le moment de la tester pour voir, hein. Ah, tu penses qu'on peut la tester tout de suite? Ouais. T'as pas entendu? Je crois qu'il y a eu un bruit là, non? Quoi? T'as entendu, Repnek? Attends. Je crois qu'il y a un bruit là. Oh ouais. On a entendu bruit, Et je crois que ça provient du salon. Là-bas. Attends. La porte vitrée. C'est quoi ce bruit? Vas-y, attends, viens, on va voir. Vas-y. Attends, on y va doucement, hein. Vas-y, ouais. Tu sais ce que c'est ce bruit ou pas, Robtech? Ça provient de la porte vitrée. Tu sais quoi? Tu pourrais peut-être tirer le rideau pour voir qu'est-ce qu'il fout ce bazar. Bon, ok, je vais tirer le rideau, mais j'y vais doucement, d'accord, Robtech? Vas-y. Ok, 3. Tu prends mes arrières, hein. Vas-y. 1, 2, 3. Wesh! Wesh! Robtech, on fait quoi là? Attends, tu sais quoi là? On a en nous la possession de la poupée vaudou. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le laisser rentrer et le piéger. C'est d'accord, hein? Ouais, mais ça veut dire qu'on peut le contrôler avec cette poupée. Et oui, t'as très très bien compris. Là, on est bien. Vas-y, on le laisse rentrer, hein. Il rentre. Regardez, il rentre, les gars. Mais il est tellement effrayant, t'as pas peur qu'il rentre dans la maison? T'inquiète pas, de toute façon, je suis confiant. Avec la poupée vaudou, on va pouvoir faire la différence. Ok. Et regarde un peu par là. Wesh. Oh là. Je crois qu'il rentre dans la maison là. Et ouais. T'as pas peur? Viens. Heureusement qu'on peut le contrôler, mais quand même. On se cache dans la cuisine. Vas-y. Rentre. Ok. Bon, les gars, il est maintenant dans la maison. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire l'utilisation de la poupée vaudou. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Tu sais quoi? Je vais te laisser agir. Bon, ok, Robtech, j'ai envie de tester plein de choses avec cette petite poupée. Si on le secoue dans tous les sens, il se passe quoi exactement? Eh ben, je te laisse faire. Genre, par exemple, comme ça, tu penses qu'il va se passer quoi, Robtech? Attends. Regarde, Ça marche. Mais quoi? Regarde. Tu penses qu'on peut faire quoi d'autre? Je sais pas, mais c'est juste beaucoup trop drôle quand même, hein. C'est trop bien. Mais ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut lui casser un bras? Je pense que tu pourrais lui casser la jambe comme ça, il sera immobilisé et on pourra le démasquer, hein. Bon, ok, je vais lui casser la jambe tout de suite, t'es prêt, mon petit Robtech? Vas-y. Wow. Ok, tu... Ça marche. Ok. Et je crois que là, il est neutralisé, il est au sol. Tu sais quoi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dès maintenant l'attacher sur une chaise et commencer à le démasquer, t'es bien d'accord? Vas-y, pas de problème. Et tu penses qu'on va trouver quoi derrière son masque? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai bien hâte de le découvrir. Là tu penses qu'il est bien attaché, hein? Ouais, là il est super bien attaché. Et bon, ça serait pas le moment pour le démasquer maintenant? Ouais, t'es prêt, on retire ce masque? Attends, faut quand même qu'on leur dise un maximum de likes, parce que là on prend de très très gros risques, hein. Ou un maximum de likes, hein. Vas-y, hein. J'y vais tout doucement, hein. T'es prêt? Attends, fais un décompte. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vas-y. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Mais il y a encore un autre masque! Mais attends... Doucement! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il tente de s'échapper! Doucement! Mais quoi? Mais il s'échappe! Regarde, viens, on l'attrape! Vas-y, viens ici! Non! Oh non! Mais comment on va faire? Oh là, il s'est complètement enfui. Attends, mais c'est n'importe quoi. Il nous a filé entre les mains. Mais non. C'est vraiment trop dommage, Robtech, fallait mieux l'attacher. Pourquoi? Je sais pas, je pensais que je l'avais bien attaché. J'avais fait des tours. Et comment est-ce qu'il a fait là? Non, franchement, je suis dégoûté, les gars. Bon, Robtech, tu sais quoi, c'était quand même une bonne expérience. Même si, bon, tu l'avais mal attaché, hein. Fallait mieux l'attacher, Robtech.
Ok, pour la prochaine fois. Tu sais quoi, c'est pas grave, c'était tout de même une très très bonne expérience, hein, t'es d'accord? Ouais, super bonne. En tout cas, n'hésitez pas quand même à nous mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Et si vous souhaitez que mon meilleur ami revienne, dites-le moi en commentaire. Et une chose très très importante que je ne cesse de vous dire à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Allez, cette fois, on vous fait plein plein de gros bisous. Ciao. Ciao.